Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur War Hospital. On reprend notre chapitre 2. J'ai pas du tout eu le temps de live d'avancer dessus depuis la semaine dernière, mais le jeu vous a beaucoup plu, les rediffusions ont énormément plu, donc du coup j'aimerais bien terminer au moins le chapitre 2. Donc on va se lancer. On avait un peu résorbé la crise, mais c'était quand même encore un peu la merde, hein. Il nous reste un certain nombre de personnes à soigner, notamment ici. Et on n'a absolument pas de médoc. En chimie, on a réussi à lancer toutes nos opérations. Il nous reste 3 pour celui-là. On n'a pas de médoc non plus. Il nous faudrait plus d'ingénieurs. On les fait flirter avec l'épuisement et l'effondrement assez régulièrement pour qu'ils bossent 24 heures sur 24 pour améliorer nos trucs. Là, ils sont en train de travailler sur l'amélioration du confort, hein, 2 heures, c'est carrément acceptable. On va gagner 10% de récupération de fatigue plus rapide, ce qui va nous permettre des rotations plus importantes. La suite serait éventuellement d'aller chercher plus d'ingé, pas avec 5 réquisitions, ce qui est, je pense, atteignable. Donc on va essayer d'aller chercher ça. Et avec nos ressources, on va faire ce qu'on peut, hein. C'est parti, on se remet en vitesse. On avait une ambulance qui venait juste d'arriver. On va donc voir ce qu'on nous propose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a encore chopé un là, parfait. Alors vous êtes plusieurs dans les commentaires de la rediffusion à m'avoir fait remarquer que je pouvais demander des amputations par exemple pour utiliser moins de médicaments. Ou là d'ailleurs, ici on peut demander des inhalations d'oxygène. Mais j'ai pas envie en fait. Alors vous êtes plusieurs déjà à m'avoir dit que j'aurais dû le rechercher avant dans les épisodes du premier chapitre. Et que ça m'aurait bien aidé dans certains cas. On est bien d'accord. Ça m'aurait carrément aidé dans certains cas. Hein. Réduire de 50% le nombre de médicaments et de 50% le temps d'intervention, c'est vraiment très confortable. Mais j'ai envie d'essayer de sauver le plus de personnes en condition, en essayant de les sauver, quoi. Donc c'est un défi que je me mets, hein. C'est franchement pas, c'est pas une obligation, c'est une difficulté supplémentaire, on va dire, que je me mets. Mais l'objectif, alors, et probablement que ça m'a forcé à sacrifier certaines personnes, surtout dans la vague là, de civils de tout à l'heure, parce que ça aurait pu me permettre peut-être d'économiser des médicaments. Mais néanmoins, ceux qu'on a sauvés, ils sont totalement fonctionnels, entre guillemets. Ici, on a un moins 14 heures de rééducation, c'est parfait. Et nos mecs, hein, bossent à plein régime. Alors du coup, c'est ici. Eux, ils sont partis dormir. Là, on n'est pas bon. Où est-ce qu'on peut pas opérer? Non, pour l'instant, personne n'est coincé pour cause de médicaments manquants, même si ça va arriver, hein. On a eu un décès, tiens. Donc au cimetière, on était à deux équipes de jour, deux équipes de nuit. Ok, très bien. Y a toujours 43 personnes à enterrer, ça on n'a pas trop résorbé cette crise-là, mais bon. C'est pas grave. Ah, un événement. Alors, l'infection était légère, nous sommes confiants quant à la guérison du patient. Plus de morale, réhabilitation plus longue. Non, on a bien rattrapé le moral. On va essayer de sortir des gens pour gagner des petits points. Alors, il nous faut quand même du monde là. On n'est plus que si on est passé en puissant là, on était en rouge. Faut qu'on soit en vert ici. On va essayer de faut qu'on soit en bleu ici, pardon. On va essayer de mettre quand même quelques personnes, même si on a le temps sur la table. Il faut survivre jusqu'au 23 août à 6h du matin, donc il y aura probablement une attaque à ce moment-là. Comme c'est souvent le cas. Ici, il faut qu'on les garde un œil dessus. Hein. Eux, ils bossent. Dans 28 minutes, parfait. Là, ça continue de fabriquer. On est en déj de nourriture, hein, mais ça va. On a de quoi faire le prochain repas qui est dans 6 heures. Et on a de l'alcool, divers médicaments qui arrivent là, parfait. Et 28 rations qui arrivent à 5h du matin. Nickel. Et encore 29 à
18h. Nickel. C'est parfait, c'est parfait. Une opération qui se réussit par... C'était la verte. Donc là, par contre, on va être en déj de médicaments, là. Alors lui, il en utilise 3 des médicaments, donc je peux lui faire ça, mais ça enlève que 2, c'est pas hyper intéressant. Alors cela dit, je pense que je vais quand même le faire. On va commencer à jouer là-dessus, parce que dès qu'on en aura fini un deuxième, ça sera bon. Ok, on a terminé notre amélioration ici. Parfait. Donc on gagne 10% de repos amélioré, on va dire. Et donc là, il nous faudrait encore deux trucs, 200 matériaux. On a largement ce qu'il faut en matériaux, même si petit à petit on les bouffe hein, à force de faire des choses. Ok, dans 30 minutes, on va pouvoir lancer notre truc, même dans 27 minutes même. Excellent, c'est excellent. Excellent, excellent. Donc en attendant, reposez-vous. Vous irez reposer dès que ce sera bon. On va attendre les 20 minutes qui nous manquent. On a un train qui arrive. Allez, un petit peu de matériel de chimie et on envoie l'opération suivante. Alors eux, ils continuent d'aller chercher des morts. Je pense que c'est des civils dans les maisons, qui sont morts dans les maisons, qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Ok, on a ce qu'il faut. C'est parti, on les envoie bosser là-dessus. Carter, Timothy et James au boulot. Va pouvoir se prendre un ingé de plus et on a même un petit peu de... Ah, et on a quelqu'un qui est directement prêt. Un 1. Allez, c'est parti. On va commander. De l'antipsychotique, c'est vraiment ce qui nous manque. Et un petit peu d'alcool supplémentaire. Alors ici, ça commence à être la fatigue. Épuisé, 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 ça va. Vous pouvez tenir encore un peu. On a un excellent ratio, hein, malgré la vague de mort qu'on s'est prise. Alors, il semble que les toxines n'aient pas eu le temps de se propager et que l'intoxication a été limitée. On pourrait réduire la durée d'opération, c'est pas particulièrement intéressant dans le contexte. Alors, du coup, on est d'accord que là, c'est bon, là, c'est bon. Là, bah, on fait avec ce qu'on a. On est remonté à 7, c'est quand même plutôt pas mal. On a un train qui nous a livré là. Un petit peu d'alcool aussi. Ça va nous permettre de bosser là-dessus. Dès qu'on a terminé ce truc-là, on recrute un ingé de plus. Ah mince, on a perdu quelqu'un pendant l'opération. Bon bah tant pis. C'est comme ça. Et une opération qui a réussi. Parfait. Donc là par contre... Est-ce qu'on peut voir? C'est dommage qu'on puisse pas voir la quantité de médicaments demandés une fois qu'ils sont dans la liste d'attente. On a personne qui est en stable. Non, hein, ça va. 4-4, 5-5, 4-4-4. Ouais. Est-ce qu'on a des. Alors, ça, c'est un seul chevron. On en a un à 3 là. On va le mettre en premier. Toi, tu vas derrière. Là, c'est pareil. On va essayer d'en prendre un à 3 chevrons qui est pas trop cher. Tiens, toi. Trois chevrons. C'est triste, mais c'est un tri. Hop, c'est parti. On part comme ça. On a assez pour en faire au moins un. Et on a un autre train, je crois, qui devrait nous amener un peu plus de trucs, ouais. Dans quelques heures. C'est parti. Ici, on a encore des cadavres à emmener, c'est toujours la teuf.
là, toi, il t'en faut 5. Ah oui, il t'en faut 5 pour toi. Allez, c'est bientôt fini. Ok. On a de quoi faire nos ingénieurs. Et là, on a quoi? Morale en hausse ou réhabilitation plus rapide? C'est un mec comme ça. Donc, ils ont un gros gros temps de rééducation, eux. On va prendre la réhabilitation plus rapide et on va immédiatement demander un ingé supplémentaire. C'est parti, avec nos deux points là en avant. Go, ici on en est où? Là c'est extrêmement épuisé, il va falloir aller se reposer, toi aussi. Ici au taf. On va même mettre deux personnes. Il y en a un qui est encore juste épuisé, tu vas laisser les autres se reposer un peu et ils prendront ta place plus tard. Ici. Un petit 3, on l'envoie là. Ceux-là, on les envoie là. Alors, quelles seraient nos prochaines améliorations éventuellement? Encore plus d'ingé, pourquoi pas? En termes de soins. La difficulté d'opération bof, la difficulté d'opération bof. Ça non plus. Améliorer le PES hein, resterait un objectif. Il nous faudrait 8 trucs. On va voir si on peut réussir à atteindre ça. C'est ouf la quantité de morts qui sortent là. Tu m'étonnes qu'ils commencent à être nazes, les pauvres, à force de courir dans toute la ville, quoi. Allez, 3h43, faut essayer de tenir. C'est carrément la priorité des anxiolytiques. Il n'y a pas de souci, c'est carrément la priorité. Ok, on repasse en vitesse 2. Ah là, on a récupéré suffisamment de médocs. On a fabriqué suffisamment de médocs pour lancer la nouvelle opération en avant. Des opérations assez longues, donc ça nous laisse le temps d'en faire d'autres. Même si c'est pas oufissime, oufissime. Proche de l'effondrement, ouais. Il va falloir que tu ailles dormir quelques heures, toi. On va sortir toi du lit. Encore que. Non, ça vaut pas la peine. On peut se débrouiller à 1 le temps d'aller chercher quelques trucs. On est d'accord qu'ils n'ont pas commencé. Ouh, on a 10 là, on s'arrête. Ils n'ont pas commencé encore à enterrer. Hein, non. Pour l'instant, ils en sont encore à amener des morts. On est à 158, donc il y en a encore 6 qui se baladent. Et là, on a assez pour notre poste d'évacuation sanitaire amélioré. C'est parti. Alors, il va falloir qu'on envoie Carter par contre. Lui, il diminue énormément les temps de construction. C'est parti. Timothy Glynn, c'est lequel celui déjà qui fait chier à bosser avec d'autres personnes là? Se fatigue plus pour chaque amélioration du dépôt d'ingénierie. Wow. Ok, c'est Darian. Darian, il faut qu'il bosse tout seul. Très bien. Donc Darian, t'es là. Tu vas laisser ta place. Mathias, tu vas aller te reposer un peu. Tac. Et Timothy, en avant. Travaillez-moi sur ce truc. Et là, on a l'attaque finale là, qui arrive et qui va être vénère, visiblement. Il va nous falloir des passants à soigner si on veut pouvoir la passer. Alors j'ai pris un risque, hein. Pour l'instant je fabrique plus d'alcool vu que j'en ai commandé un petit peu, qu'il y a notre dépôt là qui fait le taf. Ah, on a nos éclaireurs qui ont terminé. Ah, ça doit être pour ça qu'on a eu un boost de. Qu'on a eu un boost de. Comment? De trucs. Tu peux aller chercher des ressources toi? Ah non, toi t'es vers la miraculeuse panacée. Toi t'es en attente d'ordre.
Vas-y. Y a des trucs à aller chercher. Tu vas les chercher. Je me souviens plus d'où ils viennent, mais c'est pas grave. Notre ingé, il arrive quand? Dans quelques minutes. Parfait. On va regarder ce qu'il vaut. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il vaut? Hanson Frère. Mon ami Hanson Frère. Travaille considérablement plus lentement. Ses compagnons de son travail sont légèrement moins performants, mais travaillent légèrement plus efficacement. Ok, c'est un mec relou aussi. On commence à avoir l'habitude. Donc normalement, il y a Sean qui devrait travailler ici. Donc on va faire un échange. Enfin, on va le mettre à deux pour travailler sur ça. Et Hanson, tu vas aller bosser ici. Toi Bernard, non, Darian tu vas aller là, Bernard tu vas là. On va laisser tomber un peu ça pour le moment, c'est moins urgent on va dire. Faire des échanges. Alors on a quelqu'un qui est passé en stable. Toi t'es passé en stable. T'es un seul chevron. On va quand même essayer de s'occuper de toi. On va te mettre juste après. Mais putain, ouais. 10h, 10h, 8h, bah, petit à petit, hein, mine de rien, ils souffrent, hein, les mecs, à pas être traités. Ça y est, on a eu notre nourriture là qui est tombée. Mais normalement, ça devrait aller, c'est dans 7h. On arrive à fabriquer un petit peu de trucs. Coûte combien déjà les ressources? C'est 1. On pourra en commander 40 pour nous aider quand même. Hein. En plus des livraisons normales. Et salut Soren, bienvenue sur le live. Non, t'es pas en retard, hein. Ça fait 17 minutes que le live est démarré. Rien de. Pas de soucis. Ok, on a réussi une opération, excellent. Et on a une ambulance qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouf, on a un mec en état grave. Alors, toi c'est 6 médocs. On a réussi à remonter à 9. Eh ben, allons-y. Et ici, on va te le mettre là. Opération relativement facile, on va l'entraîner un peu, lui. Alors là, on en est où? Mathias, t'es retapé. Viens bosser, Mathias. Mathias, c'est toi qui aimes pas les gens, hein. Non, c'est pas toi qui aimes bien les gens. Tu travailles considérablement mieux, t'es pas touché par les traits négatifs des autres. Tu pourrais travailler éventuellement avec un relou, mais toi, tu n'es pas toi-même techniquement relou. Ici, lui est épuisé. Ah, lui, il va reprendre son quart alors qu'il est pas tout à fait bien reposé, donc il va falloir qu'on fasse gaffe. Parce que c'est dans 30 minutes le quart. Hein. Au passage, toi, ouais, toi tu joues au poste de secours, pour l'instant t'as rien à y faire. Donc je pense qu'on va laisser Tristan se reposer, on va te mettre à la place. Ah, ici on commence à galérer par contre. Attendez, attendez, non, pas ça, ça, ça. Les infirmières, non, elles sont en 12 heures, donc oui, elles sont épuisées, mais elles vont se reposer dans 10 minutes, donc ça va aller. Elle, toujours la vraie sainte, quoi. Elle tient son rôle. Ah, je suis en train de voir qu'on dirait que le son du jeu a encore déconné, par contre. J'avais pas fait gaffe. Ouais, on dirait que. Toc, toc, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux, parfait. Excusez-moi pour le début sans son. Alors, on a deux événements. Opération plus rapide et moins fatigante. Écoutez très bien. Et là, on va prendre le truc plus grand. On est remonté à 82 en morale, c'est très correct. On a suffisamment de bouffe. Et c'est le changement de quart. Alors attention du coup au changement de quart. Toi, tu te reposes.
Toi, tu vas bosser ici. On commence à enterrer un peu des gens, c'est bon. 28 heures ici. Ouais, ils sont partis se reposer un peu sûrement. Ouais, il y en a un qui se repose. Toi, t'es épuisé. Il va te reposer un peu. On a beaucoup d'alcool, hein. Ouais, les autres travaillent plus lentement. Si je le mets là, c'est chiant. Mathias Moon, tu vas aller bosser ici. Et toi, tu vas aller bosser là. On va essayer de terminer ça. Alors, avant cette attaque, non, mais au moins avant celle-là. On en est où ici? Toi, tu peux sortir. T'as 3 de puissance. Vas-y, donne-nous des bons. Hop, on peut commander des ressources. On a 5, avec 5, on peut commander un peu là. Un peu là. C'est parti. Opération was successful. Patient is cured. Parfait, un patient qui sort. Oui, bah le cimetière il fait sa vie, hein. 43 en attente d'enterrement, ça y est, on dépile un peu là. Alors, toi t'es épuisé. Eh bah écoute, fais ta vie. Lui il se repose. Carter, au boulot, tu te reposeras plus tard. On a du taf. Ok, on va t'envoyer là. Il faut qu'on stack du monde, hein, parce que cette attaque-là, elle est pas faite. Et alors celle-là, elle est carrément brutale. On va avoir le petit train de blessés qui va arriver. Et derrière, je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, on enverra un pas mal de brancardiers se reposer pour gérer cette attaque. Parce qu'on va devoir envoyer un max de monde dans le poste de secours. Ok, c'est parti, ça doit être celui-là. Non, peut-être celui-là, ouais, c'est celui-là. Ok. On est bien remonté en bouffe, du coup. Ça va nous permettre de récupérer un petit peu de monde. Et là, on a potentiellement 9 personnes qu'on pourrait envoyer là. Si on n'a pas trop de monde à soigner avec des antipsychotiques, ce serait cool. On en est où d'ailleurs là? Ah, toi, tu serais censé mourir. On va te mettre ici du coup. Et du coup, on a du 2, mais ils sont globalement bien. Donc là, on va épuiser nos brancardiers, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est le but, on va dire. On va les rentrer 3 par 3. Ah merde, on a perdu un mec en plus en psychotique, quoi. Ça valait bien la peine d'utiliser des médocs. C'est qui? C'est toi qui as perdu quelqu'un. Ok, très bien. Alors, on attend qu'ils soient tous les trois là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ah putain, on en a rentré un ici. Alors là, par contre, on a quoi? 7 médicaments, allez, c'est parti. En avant, ça c'est pas trop compliqué mais épuisant, donc c'est pour toi. Et donc ici, on en a rentré un stable à 2 chevrons. Une opération pas trop fatigante en plus, tu pourrais faire ça. Essayer de les sauver. Il a bien évolué mon petit hôpital de campagne. Ouais, mine de rien, il tient la route. C'est pas facile, hein. On a eu des pertes, mais ça tient petit à petit la route. On arrive à faire des choses, on va dire. Alors, c'est quoi qu'on a rentré? Encore un des mecs traumatisés. Oh là là, c'est chaud.
C'est chaud, hein. Encore deux à rentrer, ouais, y'en a pas l'air d'en avoir d'autres. Ok, on va envoyer quelques soldats supplémentaires dans les tranchées juste avant l'attaque. Mais de nouveau, c'est la merde en termes de médoc, hein, logique. Logique, logique. Allez, c'est parti, on en a encore rentré un là, mais arrêtez, arrêtez. Lui, il est carrément bien blessé. Les autres, ça va. Lui, ça peut dégénérer. Les 5 médocs pour le soigner, ça va être chaud. Il nous faut des réquisitions. Qu'est-ce que ça dit ici? On les envoie surtout dans les tranchées pour le moment, donc on va faire comme on peut. Alors là, on a de l'extrêmement épuisé. James, il est de nouveau fonctionnel. Vas-y, viens bosser, James. Là, il faut qu'il me termine ce truc-là. Il faut tenir bon, je suis bien d'accord. Ah, on a un événement. Ils veulent du matériel de chimie. 14. Waouh. Bah non, ça me paraît tendu 14. Est-ce qu'on peut réussir à faire 14? Ah, il faudrait Bernard. Viens bosser Bernard. Non, c'est plutôt ici. Ouais, mais il consomme moins de ressources, pas c'est pas qu'il travaille plus rapidement, ouais, c'est ça. C'est qu'il consomme moins de ressources, donc non, c'est pas pertinent. Donc non, repose-toi. On va quand même mettre deux personnes à bosser là. Si on rentre pas trop de... Si on rentre pas de blessés, ça peut le faire. James Grant, tu fais quoi dans ta vie, James Grant, mon cher? Travaille beaucoup plus lentement avec d'autres, donc ouais, donc faudrait pas qu'on t'envoie toi en fait. Stop. On se détend. Et Hanson. Hanson. Ses compagnons de travail sont légèrement moins performants et ils travaillent considérablement plus lentement. Ok, donc c'est vraiment pas le mec à envoyer là. Donc James, tu vas là. Vu qu'on est à peu près bien en bouffe, on va envoyer Nathael. Bosser avec Shin. On va voir si on peut en faire 14. J'y crois pas trop, mais. Alors, morale en hausse. Nickel. Et là. Utiliser sa soif de vengeance lors du traitement. On y va. Et là, du coup, on a encore rentré un mec là. Bordel. Ici, rien. Un événement. Les blessures des patients faibles, réduction du coût. Bah oui, carrément. Allez, on en rentre deux de plus. Parfait. Ah. Tu vas attendre, toi. Toi, par contre, tu y vas. Tu veux que tes auditeurs se suicident? Bah non, Kazar, pourquoi tu dis ça? Ils sont gays, les jeux auxquels je joue. C'est un vrai plaisir. Hey, on en a 13 là déjà, hein. On a dû avoir une livraison qui est arrivée. Ça pourrait faire, ça pourrait passer. Alors, événement, réduction du coût, ouais, je prends. Et les blessures subies par le plan sont plus étendues mais superficielles. Parfait. Allez, bossez-moi là sur la pharmacie, faites-moi un matériel de chimie et on met pause. Parfait, pause. On leur envoie et on récupère direct un ingé supplémentaire. C'est parti. Alors, réorganisons un peu ça du coup. Retourne faire de la bouffe, toi. Ah, elle commence à... Elle commence à fatiguer un peu. On va avoir l'assaut bientôt. Donc on va t'envoyer te reposer pendant quelques heures. Probablement pas 6 heures mais quelques heures quand même. Et on a un patient grave à traiter en avant. Et ici du coup c'est une petite opération. On va la lancer dès que possible mais pour l'instant on n'a pas les médocs. Hein, donc de toute façon c'est comme ça.
Et ça va bientôt être l'assaut. On n'a pas réussi à terminer ça avant, c'était prévisible, mais au moins ça travaille. PS ne fonctionne pas correctement car aucune infirmière n'y est affectée. Je sais, mais on fait ce qu'on peut. Avec les ressources qu'on a. Ok. Un patient bleu soigné de plus. On en est où sur les enterrements là? Il en reste encore 30 à enterrer. Deux opérations qui réussissent, c'est parfait. On n'est pas bien pour gérer l'attaque là. En termes de ressources, c'est un peu la merde. On va pas se mentir. Et salut Cars, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Sun, t'es reposé, viens bosser. Ah, on a un event. Réhabilitation plus rapide pour un mec en chirurgie, parfait. J'adore le tri sélectif, l'un sur le champ de bataille et l'autre à l'hôpital. Ah bah oui oui, on trie comme on peut, hein, clairement. L'hôpital, alors mon objectif hein, est d'essayer de soigner le plus de gens possible en minimisant les amputations ou ce genre de trucs. Mais là je pense qu'on va pas avoir trop le choix. Si on veut sauver du monde, il va falloir faire des sacrifices. Et bah ça va très bien Cars, je te remercie. Alors c'est parti. C'est le début de l'enfer. Du coup, vous allez vous reposer. Tristan, tu bosses. Toi tu vas là. Toi tu vas là. On va refaire un petit point sur nos brancardiers qui aiment bien bosser au poste de secours, donc Jen Cook et Elijah. C'est bon. Seth et Damien. C'est bon. Tac tac tac, ces compagnons de travail se fatiguent moins vite. Donc envoyer Matthew et Owen, ce serait sans doute une bonne idée également. Hop, alors là on passe en 24 heures, hein. Pas le temps de buller. Owen, donc là on a dit Lucien, travaille légèrement en vocation qui travaille seul. Ses compagnons de travail sont plus performants, pareil, Lucien et Jonathan. Ah non, vous vous reposez. Bon, ok, vous vous reposez, j'acquiesce. J'admets que vous vous reposiez. Odin, c'est combien de travail ce travail moins vite? Alors il est plus efficace quand il est au PES, enfin le moral augmente quand il travaille au PES, mais on a déjà un très bon moral, donc on va voir. Elliot et Carter. Pareil, plutôt au PES. Toi tu travailles légèrement mieux au PES. Tes compagnons de travail sont moins performants. Donc Errol et Mason, vous restez au PES, vous. Vous êtes où? Vous restez au PES. Vous allez là. Vous allez là. Là on passe en 24 heures. On va essayer d'en garder que un ou deux ici. Isaac, lorsqu'il travaille avec d'autres, le moral baisse avec le temps. Ok, très bien, fantastique. Ok, les autres ils ont pas encore de bonus particulier. Donc on va mettre un mec de plus ici et c'est parti. Là on en garde deux. Qui vont un peu en chier. Surtout lui qui commence déjà à être un peu fatigué, mais normalement ça devrait aller. Ok, on se remet en vitesse 1. C'est parti, donc c'est du gaz, donc ça va être des brûlures, donc ça veut dire du chimique, ça veut dire qu'on a absolument que dalle de ce qu'il faut. C'est génial. Une attaque classique. Un peu de chirurgie donc. Autre chose ou c'est tout? Ok. Ça va. De la chirurgie et de l'attaque normale principalement. Et de l'attaque ici là, du comme ça. Donc on va utiliser tout ce qu'on peut pour commander un max.
De matériel chimique, sachant que lui, ouais, eux, ils sont à un jour, donc c'est pas tout de suite. Là, on est bientôt arrivé à la miraculeuse panacée. On va voir ce que ça donne. Les patients du PES, on est d'accord. Ah, il y en a un ici à opérer. Allez, en taf, les gars, faut sortir. En plus, c'est un 3 chevrons. C'est plutôt des comme ça. Alors, ça, c'est chiant, hein, parce que ça nous prend de la place aussi. Hein. Ici, on utilise 4 médocs, ça va. Comment ça, on n'a pas d'équipe de brancardiers? Mais si, il y a Lucas là. Tristan et Lucas. Ils vont très bien faire le taf. Ici, vous en êtes tout, vous. Repos, pas de repos là. C'est pas le moment de dormir là. On va terminer ça. Vingt-trois blessés supplémentaires là. Oh là là. Ça va picoter. Bon, on a un petit peu de temps pour faire du matériel. Un petit peu de bouffe. Alors on fait plus du tout d'alcool, ça joue. Toi tu vas aller bosser là. Ah non, toi Carter, t'es celui qui diminue le temps de fabrication. Alors, morale en hausse, fantastique. Une deuxième opération successful. Gaz moutarde super efficace pour désengorger les poumons. On peut voir ça comme ça, oui. Effectivement. Toi, tu sors dans 2 heures. Ok, donc tu vas là. Il va nous falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de réquisitions pour faire nos commandes. On va d'ailleurs en commander tout de suite un petit peu d'alcool. Avec notre une, là. Ok, petite hausse de morale. On passe à 94% de morale. C'est nickel. Il va nous en falloir du moral pour encaisser, là. Ok, on a 3, c'est parti, on commande du comme ça. Alors on va blinder les trains au fur et à mesure qu'ils arrivent. Là clairement. On n'a plus d'alcool, bientôt nos ingés vont plus pouvoir bosser, on les envoie se reposer, voire travailler à fabriquer de l'alcool. Alors, les rumeurs à propos d'un remède. L'escouade d'éclaireurs s'est rendue au village où ce prétendu remède aurait été utilisé pour soigner des malades. Les villageois semblent souffrir de malnutrition, les champs sont à l'abandon depuis bien trop longtemps et le bétail est rare. Ok. Le chef du village semble irritable et réticent à répondre aux questions. Il se contente de dire aux éclaireurs que ces villageois ne doivent qu'à leur résilience leur survie à la maladie. Puis, ayant suffisamment de problèmes à régler, il leur demande de partir. Il nous manque de l'alcool. On peut le forcer. En même temps, on n'a pas le choix, on va le forcer. La menace d'une arme à feu semble faire son petit effet. D'abord hésitant, le chef du village finit par accepter de partager des informations. À ce qu'il raconte, le pharmacien de la région est passé dans le village il y a 2 jours, laissant des instructions sur le traitement de la maladie et des médicaments qui ont grandement atténué les symptômes. Il indique sur la carte du commandant un emplacement où il devrait pouvoir trouver le pharmacien. Parfait, voyons ça. Ici. C'est parti les gars. En avant. En avant, en avant. Alors, un petit 3 chevrons qui sort dans 7 heures, un autre. Ah, attends, on est que en vert là. Alors, quand on est en bleu, on a déjà 20 blessés. Hein, donc, enfin, 25. Quand on dit que quand on est en vert, ça va être un petit peu l'orgie. Toi, tu y vas. Ici on est comment? Eux ils se reposent, parfait, enfin parfait, je sais pas si c'est parfait mais lui c'est grave, bon tu vas te barrer. Toi t'es un 2 chevrons. Non non tu continues de dormir encore un peu par contre. Ici. Ils sont déjà fatigués les deux infirmières là. Waouh. Il est 18 h, ouais ça va, elles repartent dans 2 heures. Toi tu vas retourner bosser. T'es à peu près retapé. Ici, il y en a un qui est épuisé. Henry Young. T'es reposé mon cher Henry Young. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie?
Ah, toi tu utilises moins de ressources. Ah oui, c'est notre nouveau mec, j'avais pas vu. Mange 2 fois par jour. Ouais, bon, c'est pas très grave. Tu vas aller faire de l'alcool. Puisqu'en plus tu es fait pour ça. Go! Go, go, go. Ici, il faut utiliser l'ambulance, les gars. Alors, réduction du coût. On va réduire le coût. On n'a plus de matière première. Ok, très bien. Ce qui veut dire que eux, ils vont pouvoir s'arrêter de bosser aussi. Toi, tu vas aller faire des trucs ici, du coup. Là, ils vont terminer et après, ils pourront aller se reposer un peu. Ah non, ils ont eu suffisamment. Ok, parfait. Alors, on va juste envoyer toi te reposer, du coup. Ok, un petit peu d'alcool. En avant. Ah, un 3, parfait. Avec un 3, on va pouvoir commander du matériel de chimie supplémentaire. 26 blessés de nouveau là. Waouh, waouh, waouh. Ça pique. On a ramené 6 blessés. Là, ils sont pas trop fatigués, non, ça va. Alors, on a rentré du monde. Non, pour l'instant, toujours pas. Juste regarder. Ok, là, ils sont bien. Eux, ils sont retapés. Ils sont retapés, donc on va en envoyer un là. On va peut-être passer en quart de nuit. Et là, on va m'envoyer un deuxième mec pour... Lucien Claire, oula. Il n'y avait pas un truc lui. Ses compagnons de travail sont plus performants, travaillent considérablement mieux. Ouais, on pourrait du coup l'envoyer peut-être plutôt dans les tranchées. Genre toi tu vas aller là, toi tu vas aller là plutôt. Pour l'instant, on n'a pas besoin de brancardier ici. Hein. Par contre, il y a un moment où ça va en avoir besoin. Il va falloir avoiner. Ah, on a perdu un patient. Eh ben, ça arrive. Hein. Au moins, ça permet de dépiler un peu les enterrements, si on peut dire. Et salut la team 119 minutes. Merci beaucoup pour le raid. C'était Brodav, je crois, qui liveait aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que le live s'est bien passé. Ok, si on envoie ça, on sera en bleu. Donc on peut enlever lui. Et lui, ouais non pas lui, si lui. Du coup on enverra un 3 à la place, ça devrait le faire. Salut salut Brodaf, bienvenue sur le live, merci beaucoup pour le raid. Alors eux, pourquoi ils bossent pas? Parce qu'ils se reposent, ok. Et salut Sobeka, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Allez, on va relancer là, ils sont un petit peu pré-reposés. On a refait un petit peu de ressources. Là, on va pouvoir renvoyer Bernard bosser là. James, mon cher James. Tac, 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 James... Travaille beaucoup plus lentement avec d'autres. Ouais, bon, c'est pas hyper grave. Au pire, tu fais pas de malus. Par contre, est-ce qu'on a besoin d'autant de monde à la bouffe? Je suis pas sûr. On aurait besoin de monde ici. Va donc bosser là. Le poste de secours. Comment ça se passe? 4 blessés ici, 6 ici, 8 là. Waouh, waouh, waouh.
C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Salut Erdarine, bienvenue sur le live. J'espère que ça va. Bon, eux ils dépilent les enterrements. Il reste encore 28 mecs à enterrer. Tiens, c'est bizarre, ça n'a pas indiqué le raid. Si, si, Broudaf, il y a eu la petite notif. Alors, tu l'as peut-être raté, mais il y a eu la petite notif. Ça va très bien, Erdarine. Et oui, j'essaye d'avoir le meilleur ratio possible, même si c'est clairement pas simple. Alors, réduction du coût. Ah oui, réduction du coût, carrément, on réfléchit même pas. Ici, on a personne qui sort bientôt. Ah, par contre, on a 4 4 trucs là. Donc, on va commander un peu de comme ça et une petite ration. On va refaire des stocks de rations parce qu'à un moment ou à un autre, on va revoir les ventes à la con là. Ah, bah, c'est cool, Sobeka. Ça, si le live s'est bien passé et que tu vas bien, c'est parfait. Alors. Là il est tout seul à bosser lui, donc on va regarder un petit peu les patients qu'on a. Alors qu'est-ce qu'on a? Un mec stable, on l'opère direct, et là du coup on a rentré un nouveau bonhomme. Toujours que du 2 chevrons, donc on va s'opérer de ce, on va s'occuper de cela. Mais ouais, je sais, il y a 7 patients en attente, mais hein, les 7 patients en attente, bah voilà, ils sont tous dans traumato, donc on fait ce qu'on peut. Niveau fatigue, ça donne quoi? On en a un qui commence à fatiguer, mais bon, globalement ça va. On a un patient qui est mort au PES, c'est comme ça. Réhabilitation plus rapide, c'est nickel. Allez, bientôt notre PES va être bon, on va récupérer nos ingés. Et on va passer ici à 30. Ok, un train qui arrive, avec un petit peu de d'équipement. Je me balade sur le champ de bataille en faisant des bisous magiques. En faisant des scalpels magiques, à la rigueur. On peut dire ça, je pense. Des bisous, c'est pas encore ça, on va dire. Ok, on a débloqué un ici. Allez, un petit peu de temps. Dès que c'est terminé, on remet nos ingés. Hop là. Alors, le PES, c'est fait. On passe à 7 sur 30. Ça nous donne en bonus plus de lits. Et plus d'emplacements pour les infirmières et les brancardiers. Et on va pouvoir aller chercher normalement des trucs sympas. Plus 10 lits. Ce truc là. Il nous faudrait 8. Waouh. On va voir si on peut viser 8. Mais j'y crois pas trop. En attendant. Mathias, tu vas bosser là. Et Douglas, tu vas bosser là. On va claquer de la ressource. Un max. Là-haut, ça se passe comment? 17 blessés, plus que 6 blessés dans les tranchées, c'est propre. Il va falloir faire fonctionner cette petite ambulance là. Il va nous falloir des brancardiers ici, parce que plus l'ambulance est lente à être vidée, plus les mecs ils courent pour amener les blessés à la main. Allez, on en sort 4 là. On est à 10, 22, 15, c'est franchement pas mal. On n'est pas si mal pour gérer la vague là. On a eu un mort, j'ai pas vu quoi. Patient en cours de transport, ça c'est un mec qui est mort là-bas, là, dans les tranchées malheureusement. On est à 111, hein. On était à 104 au début de l'attaque. Ouf. Ouais, bah tu vas aller te reposer toi.
Pour le moment, faut qu'on garde un œil hein, sur les brancardiers. On va repasser en vitesse 1. On a quoi qui arrive? On a juste le train de ressources qui arrive bientôt. Ici, on a des gens fatigués, extrêmement épuisés, toi. Allez hop, je laisse ta place à Darian. Timothy, tu vas bosser là. On est à 6 là, c'est pas mal. Ok, là il va falloir qu'on envoie les mecs. Passer en 24 heures debout. On dépile ces ambulances là. Est-ce que c'est l'ambulance du poste de secours? Ouais, c'est l'ambulance du poste de secours. Vous voyez que maintenant du coup ils se mettent à courir dans la pampa pour ramener les gens. On est à 8. On est à 8, on est à 8. Stop. C'est pas ça. Amélioration, on peut aller chercher du coup ce truc là. Est-ce que c'est vraiment utile en vrai? Est-ce que c'est vraiment utile? Améliorer l'aile de traumatologie, le centre de rééducation, le poste de secours. Une ambulance de plus au poste de secours, ça pourrait être pas mal. Hein. On a quand même encore deux attaques à gérer. On va aller chercher ça. Donc toi, tu vas là. Carter, t'es où Carter, mon cher Carter? T'es là Carter, parfait, tu vas là. On n'est pas trop mal hein. On va envoyer James Grant également, on va en garder un de chaque. La bouffe, on va essayer de blinder un peu la bouffe. On va faire l'amélioration du poste de secours finalement, plutôt. Ils sont tellement lents eux, sans déconner. Alors, qui on a rentré? Un mec pour l'aile de chimie grave, mais c'est un 3 chevrons, essayez de le sauver. Et ici, un mec stable, avec une opération pas trop compliquée, on va envoyer lui. Il nous consomme 5 médocs lui, donc on va tant pis faire une petite inhalation. Lui aussi, une amputation, je suis désolé. Quoique ça c'est un 3 chevrons, c'est un triple chevron ça. Non, c'est un triple chevron, donc on va le garder fonctionnel on va dire. On a quand même pas mal de médocs d'avance. Il ne reste plus que 19 personnes à enterrer, c'est pas si mal. Allez, là faut que vous arrêtiez de courir dans la pampa là. Remplissez l'ambulance, mais arrêtez vos conneries s'il vous plaît. Alors là, extrêmement épuisé. Tu vas te reposer un peu. Et merci d'être passé, Sobeka, bonne fin de week-end. On a un petit niveau, là on va aller voir, mais si vous pouviez me charger cette ambulance, ça me ferait plaisir. Alors. Oh, on se calme, les gars, stop. Ah, c'est Tristan. Plus performant au poste de secours. Non, le moral augmente. Non, ses compagnons de travail se fatiguent moins vite. Pourquoi pas? Ouais, carrément. La fatigue, c'est clairement un problème. Alors là, on a un événement positif et un événement de merde. Patient ne réassure pas suffisamment l'anesthésie de base, ce qui cause de grandes souffrances. Opération plus longue, réhabilitation plus longue, non on va fatiguer notre médecin, c'est pas grave, on n'est pas dans le mal ici. C'est parti, on envoie ici, en avant, là. Tu te reposes encore un peu, non il est temps d'arrêter de se reposer, tu vas nous traiter quelqu'un. Voilà, 3 médocs, 2 chevrons, c'est très bien ça. Toi t'as pas besoin de te reposer après. Pareil pour ça. Hop, hop, voilà, on va commencer à dépiler un peu. Parce que mine de rien, il va nous falloir des gens à envoyer au fight là. Hein. Waouh, ça va être tendu sinon.
On n'est pas bien là. Toi tu fatigues. Odin, tu vas retourner prendre. On va passer en 12 heures. Toi tu vas te reposer quelques heures. Toi tu vas travailler quelques heures. Allez, chargez l'ambulance là. Bah alors, pourquoi démarre pas? Ah, ça y est. Morale en hausse. Parfait. Et une réhabilitation plus rapide. Excellent. Excellent. Allez, videz-moi cette ambulance. Il faut qu'on la recharge. Oh, qu'est-ce qu'ils sont lents. Qu'est-ce qu'ils sont lents ceux-là. Ok, un événement positif, une réhabilitation plus rapide. Très très bien. On a un patient en état critique. Ok, qui est le plus avancé? C'est celui-là. Celui-là, je crois. C'est un peu à Paris. Vas-y, enchaîne. Toi tu prends lui, toi tu prends lui. On va calmer un peu sur les médocs. Et là du coup, état grave, go. C'est un seul chevron, on va l'amputer. On verra jamais au combat de toute façon. C'est un petit peu abusé, mais bon. Alors, nouveau patient, stable. Combien de médocs? 4, c'est acceptable. Opération avec peu de chance d'échec. On a plus que 9. Timothy, va être temps d'aller bosser un peu là. Ah merde, on a perdu quelqu'un, pas de bol. Eux, ils ont bien, sont bientôt arrivés à la miraculeuse panacée. Tac, l'opération s'est très bien passée, une petite hausse de morale, parfait. Allez, faut me vider cette ambulance, les gars. Qu'est-ce que vous foutez ? Ok, là ça a l'air d'être mal barré, mais on va quand même tenter. En même temps, il était critique le mec, hein, donc. On fait avec ce qu'on a. Hop, hop, c'est parti. Waouh. 5 heures d'opération, vas-y, enchaîne. Quoique t'es stable, va plutôt après le mec en une heure là. Pareil là. Pareil là. On commence à être bien bien en dèche. Alors, c'est que des doubles chevrons, donc on va essayer de pas les amputer. On va voir comment on peut gérer ça. Et on va certainement repasser en vitesse 1. On se calmer un peu. Il reste encore 2h30 de boulot là. Ok, ici on en est où? Extrêmement épuisé pour toi, Jen Cook. Plus performant au poste de secours. Vas-y, remplace au poste de secours. Toi tu vas passer là, on va se mettre en quartier de nuit en 12 heures. Lui c'est un épuisé qui commence juste son quart hein, donc ça va, il va pas tenir longtemps. Oh la vache, 33 heures là. Purée. Ok, morale en haut c'est réhabilitation plus rapide, ça me va. Ici il va commencer à de falloir qu'on envoie quelques personnes en plus là. Toi viens bosser là. On va garder deux mecs là-bas pour dépiler les gens qui restent.
Et maintenant, il va falloir avoiner ici. Le patient critique, il a survécu? Impossible. Toi, t'es un seul chevron, je suis désolé pour toi. Qu'est-ce qui est fait, c'est un... Putain, mais l'ambulance qui est bloquée derrière un civil, quoi, sérieux. Je rêve! Je rêve! Ah, lui, il sort bientôt. C'est un 3, on va l'envoyer là, parfait. On va passer en puissant pour ça. Alors, oula, petit avec la pop-up. Les indications du chef du village mènent à une petite maison, probablement abandonnée bien avant la guerre. Circonspect, le commandant ordonne à ses éclaireurs d'observer le site de loin. Peu après, un homme lourdement chargé d'un gros sac approche. Un groupe de soldats allemands sort du bâtiment. Après une courte conversation, le sac change de main, puis l'homme s'apprête à repartir d'où il était venu, tandis que les soldats allemands repartent dans la direction opposée. On attaque les Allemands. L'escouade d'éclaireurs prend en chasse les Allemands. Après avoir trouvé l'emplacement idéal pour une embuscade, ils ouvrent le feu. Pris par surprise, les Allemands tardent à réagir mais tentent de se cacher et de répliquer. Le combat est rapide et les coups de feu brefs. L'escarmouche a été pratiquement à sens unique. Tous les Allemands sont morts et un seul éclaireur a été tué. Dans le sac que transportaient les Allemands, les éclaireurs trouvent du matériel médical de grande qualité mais pas de remède miracle. Ils trouvent aussi une carte allemande semblant indiquer l'emplacement du laboratoire du pharmacien. On a acquis un. Sérieux? Un truc? Un truc quoi. La tristesse absolue. Et salut Falsac, bienvenue sur le live. Alors on va y aller du coup, mais alors un médoc quoi. Pouah. Des fois c'est un petit peu what the fuck les trucs d'éclaireur. J'espère que tu vas bien Falsac. Il y a longtemps qu'on t'avait pas vu. Bah, lui il est un peu bugué là. Allez, videz-moi cette ambulance. Là on bosse là. Hein. En plus on va bientôt avoir les 9 patients supplémentaires qui vont arriver. Ouais, le médoc il est de qualité, exactement Arnarine, c'est au moins ça de prix. Le médoc il est de qualité. On peut pas dire le contraire. Alors, toi t'es de type stable, tu vas aller là, hop, en avant. Toi t'es un seul chevron, économiser un médoc en te faisant une petite opération pas très sympathique. Toi on va t'amputer, si ça permet de te soigner avant que tu crèves, ce sera toujours ça de prix. Pareil pour toi. Il faut malheureusement qu'on fasse des sacrifices là. Hein. Non, vous arrêtez de vous reposer là, faut me le finir là ce truc là. Terminez-moi ça, on a besoin de bras. T'as regardé tous les épisodes mais en retard, et là tu pars du début du stream pour pouvoir suivre. Hein. Et bah écoute, peut-être à tout à l'heure alors. J'en profite du coup pour arrêter d'ailleurs le premier épisode de VOD ici. Alors j'espérais finir le chapitre 2 pendant ce live, mais peut-être que ce sera pas le cas mine de rien, il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, on arrête la VOD là, si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. J'espère que ça vous a plu. Je bois un petit coup d'eau. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.